Il faut imaginer quelque chose qui ressemblerait à un procès au tribunal. Le suspect incriminé se trouverait dans l'environnement. Il provoquerait le diabète, des maladies cardiaques et l'obésité. Mais on ne sait pas ce que c'est au juste. Peut-être que les gens mangent trop ou ne pratiquent pas assez d'activité physique. Peut-être que c'est une nouvelle tendance alimentaire. Ou tout simplement le sucre. On fait une enquête et on trouve de nombreuses pièces à charge contre le sucre. Mais c'est un peu ambigu. On n'a pas de flagrant délit. Il y a quelques témoins qui sont toujours sur le lieu du crime et qui ne possèdent pas d'alibi. Mais les preuves ne sont pas concluantes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le message clé des industriels est qu'il n'y a pas de preuves irréfutables sur les effets mortels du sucre. Tant qu'ils pourront invoquer cet argument et entretenir l'ambiguïté, ils resteront en vie. Le jour où les preuves seront concluantes, ils seront morts. Alors vous feriez quoi? Est-il exact que le sucre est toxique? Comment peut-on poser cette question sans passer pour un alarmiste? Il s'agit d'un produit qui rend les gens très heureux et leur permet d'exprimer leur amour, leur joie et leur bonheur partout dans le monde. Et voilà qu'on remet en cause cette denrée que les parents donnent à leurs enfants à leur premier anniversaire. Faire le bon choix s'avère difficile. De récentes études indiquent que le sucre, tel que beaucoup de gens le consomment de nos jours, est une toxine. La polémique est née suite à un article du New York Times affirmant que le sucre était toxique. Le sucre est-il toxique? J'en suis persuadé. Ne craignez-vous pas que ça paraisse excessif? Bien sûr que oui. Mais c'est la vérité. Vous dites que le sucre est un poison, à haute dose. Pourquoi ne pas dire carrément que le sucre, c'est Hitler? Robert Lustig, médecin spécialiste de l'obésité infantile, a écrit un livre, Fat Chance. Le sucre est très pernicieux. Il provoque l'obésité et par là même toutes sortes de problèmes métaboliques. L'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques et sans doute aussi le cancer et la démence. Aujourd'hui, un tiers des Américains est atteint de stéatose hépatique, une maladie qui avant 1980 n'était même pas répertoriée. C'est la plus grande épidémie dans l'histoire de l'humanité. Tout d'abord, je ne suis pas contre le sucre. Je suis contre les plats cuisinés industriels. J'aimerais mieux ne pas être connu du tout et que le problème n'existe pas. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière médicale, il n'existait pas. Sinon, je ne me serais peut-être pas embarqué là-dedans. Qui aurait envie de se coltiner ça? Enfin, maintenant, c'est fait. Vous remettez en question tout ce qu'on a appris sur le manger sain ces 30 dernières années? Oui, parce que ça ne marche pas. Vous dites qu'on doit être désintoxiqué. C'est une plaisanterie? Non, pas du tout. Il ne faut plus vendre de coca aux mineurs. Si les parents veulent que leurs enfants boivent du coca, qu'ils l'achètent eux-mêmes. Ce qui me désole, c'est de ne pas être critiqué sur un plan purement scientifique. On peut avoir un débat scientifique, pas de problème. Ce qui me dérange, c'est qu'on dise que je ne suis pas crédible, que je suis un fanatique. Un fanatique agit au nom de sa foi, ce n'est pas mon cas. Je me base exclusivement sur des faits scientifiques. Je ne fais pas ça par plaisir, mais parce qu'il n'y a vraiment pas le choix. C'est un sujet très polémique. Et pour s'y attaquer, on a besoin de quelqu'un comme Robert, un chercheur qui soit reconnu dans les milieux universitaires. Robert l'a fait, et il se débrouille très bien.
Il est pédiatre endocrinologue. Et il y a une dizaine d'années, il a constaté que le sucre était un problème crucial dans l'alimentation moderne. Il a donné une conférence qui a fait un tabac sur Internet. Elle a dû être vue 4 millions de fois. C'est un orateur très charismatique, un peu comme un prédicateur fondamentaliste. Vous refuseriez catégoriquement de donner une bière à votre enfant. En revanche, vous n'hésitez pas à lui donner une canette de coca. Les scientifiques sont mal à l'aise avec l'assurance qu'il affiche. Ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on attend d'un chercheur. On souhaite qu'il mette en avant ses doutes, qu'il pointe les lacunes dans les données et discute des éléments à charge. Pourtant, on a besoin de quelqu'un qui parle et fait avancer le débat, comme Robert. C'est un problème qui vous touche à la maison, qui vous touche au travail. C'est un problème qui a une influence sur vos affaires. Au final, c'est un problème qui affecte le pays et le monde entier. Ça ne concerne pas seulement l'obésité infantile, mon domaine de spécialité qui m'a amené à ce sujet. Ça va bien plus loin. C'est le signe d'une crise sociale. Vous savez peut-être qu'en 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que désormais, les affections non contagieuses telles que les maladies cardiaques, le diabète, le cancer ou la démence touchaient non seulement les pays développés, mais aussi ceux en voie de développement. Tout le monde était conscient du problème chez nous. Dans les pays africains et asiatiques, en Inde par exemple, le développement de ces pathologies est plus préoccupant que celui des maladies infectieuses, y compris celui du sida. Que s'est-il passé? Pourquoi sommes-nous tous en danger aujourd'hui? Comme ça, d'un coup, dans le monde entier. Les Japonais vivent plus vieux que tous les autres peuples de la planète. Et c'est encore plus vrai pour les habitants d'Okinawa. Ils sont moins touchés par la plupart des maladies liées à l'âge. Le taux de personnes atteintes par les troubles cardiaques et certains cancers, comme les cancers hormonaux dépendants, celui du sein ou de la prostate, y est très faible. C'est en partie lié à l'alimentation et en partie au mode de vie. Il s'agit d'un régime très sain qui réduit les risques de maladies liées à l'âge. Il fait la part belle aux légumes et apporte un bon équilibre en protéines. Poissons, viande maigre. On peut dire que c'est le régime idéal contre le vieillissement. C'est sans doute pour ça que les habitants d'Okinawa vivent si longtemps. Ou du moins vivaient si longtemps. Il a suffi de quelques générations pour que les Okinawaïens deviennent les plus gros des Japonais. C'est un phénomène qui est apparu après la guerre. En général, les jeunes ont un régime alimentaire bien plus occidentalisé que leurs anciens. Ils consomment plus de plats cuisinés industriels, de chips et de soda, ce qui les expose davantage aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité, au diabète. Tous ces problèmes sont liés à une nourriture plus riche en sucre, en sel et en graisse. Dans l'histoire de l'humanité, la consommation de sucre n'avait jamais atteint un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui, ce qui a forcément des répercussions sur le métabolisme.
Voici l'évolution de notre alimentation au cours des 30 dernières années. 1982 à 2012, consommation de viande, moins 10%, parce qu'on nous a incités à manger moins gras. Fruits et légumes, nous en mangeons toujours autant. Or, on nous dit que nous n'en mangeons pas assez. Enfin, la consommation d'aliments transformés et sucrés est passée de 11,6 à 22,9%. Elle a doublé en l'espace de 30 ans. C'est de là que les industriels tirent leurs bénéfices, alors que nous sommes de plus en plus malades. ~74% des plats cuisinés vendus en supermarché contiennent des sucres ajoutés. Les assaisonnements pour salade, les sauces barbecue, les sauces tomates, le pain et la viande pour hamburgers, toutes sortes de produits. Et il existe 56 appellations pour le sucre. Sucrose, saccharose, sucre de canne, sucre de betterave, sirop de maïs, agave, sirop d'érable, miel, etc. L'industrie agroalimentaire peut cacher les sucres qu'elle ajoute dans n'importe quel produit, car personne ne sait les reconnaître. En fait, ils se valent tous. En termes de calories et de poids, ils sont tout à fait comparables. Et ils ont le même effet. Ils surchargent notre foie en le saturant de lipides quand ils sont consommés à l'excès. Il ne faut pas oublier que c'est une question d'excès et pas de modération. Encore faut-il définir la notion de modération. Une consommation modérée, c'est 6 à 9 cuillères à café de sucre ajouté par jour. C'est ce que préconise l'American Heart Association. L'Organisation mondiale de la santé, elle, autorise jusqu'à 12 cuillères à café de sucre ajouté par jour. Or, les Européens consomment 17 cuillères à café de sucre ajouté par jour. Et les Américains, 19,5. Bref, on en consomme trop, ce qui cause des maladies métaboliques chroniques. Pendant longtemps, j'ai eu des problèmes de poids. Je détestais porter des pantalons parce que ça faisait ressortir mon ventre. J'étais mal à l'aise quand j'étais assise en classe. Je me sentais encore plus grosse. J'ai atteint mon pic à 14 ans, quand j'étais en troisième. Je pesais 98 kilos. J'adorais manger et regarder la télé. C'était mes amis. Je regardais beaucoup la télé. J'étais renfermée parce que je pensais que tout le monde se moquait de moi ou me critiquait. Je n'étais pas heureuse. La dernière fois que je t'ai vue, c'était en avril 2009. Au fait, bon anniversaire. Merci. C'était il y a peu de temps. Oui, j'ai 20 ans. Comment ça va? Bien, ma vie a énormément changé. Je me sens beaucoup mieux, plus vivante. J'ai plus confiance en moi. Quand j'ai commencé à voir le docteur Lustig, j'étais mal en point. J'avais un foie très gros. Mon pancréas était bien trop sollicité pour éliminer tout le sucre qui s'accumulait dans mon organisme. J'avais presque 50% de graisse dans le corps. Je pense que ça vient vraiment de tout ce qu'on mangeait quand j'étais petite. Ma mère n'était pas au courant des mauvais ingrédients contenus dans les produits transformés, surtout dans les fast-foods. Parfois même, avant de manger, je buvais un grand verre de jus de fruits. Et puis j'en buvais un autre pendant le repas. Donc mon corps absorbait beaucoup de sucre. La première fois qu'on s'est vu, ton foie était saturé de graisse. Tu te souviens de l'échographie que tu as faite à 10 ans? Oui. C'était pas brillant. Le problème auquel tous les pédiatres sont confrontés est la stéatose hépatique. Je ne savais même pas ce que c'était avant 1992, l'année où j'ai reçu mon premier patient atteint de stéatose hépatique. Il avait 13 ans et était diabétique de type 2. Son taux d'ALT, qui mesure le dépôt de graisse dans le foie, dépassait les 100. Je me suis dit, oula, c'est pas possible. Aujourd'hui, tous mes patients ont ce problème.
La première fois que je suis allée au centre médical de Denver, ça m'a ouvert les yeux. Alors qu'en cabinet, je faisais surtout des obturations et des couronnes, là, mes patients avaient une carie à chaque dent. Ou alors, ils avaient une perte osseuse massive. Il m'est arrivé de devoir annoncer à une personne de 45 ans que je devais lui arracher toutes ses dents. C'était mon quotidien. Une succession de cas graves. La consommation de sucre était bien souvent la cause principale des maladies que je traitais. Je me suis dit qu'il fallait agir à plus grande échelle. Donc je suis allée à une conférence sur la gingivite et le diabète dans l'Oregon. Et il y avait notamment un intervenant qui présentait son livre sur la restauration rapide, et dans les pages consacrées aux boissons, j'ai vu que le thé glacé était surligné en vert, ce qui indiquait que c'était une boisson saine. Là, je me suis énervée. Je suis allée le voir et je lui ai demandé comment il pouvait écrire que le thé glacé sucré était une boisson saine. Il s'est retourné et a dit sur un ton très sévère, « Il n'y a aucune preuve attestant le lien entre le sucre et les maladies chroniques. » J'étais tellement choquée par ce qu'il venait de dire que je ne pouvais même pas lui répondre. Pour moi, il était devenu évident que les lobbyistes exerçaient leur influence sur les conseils qui nous étaient prodigués à cette conférence. Je me suis rendue à la bibliothèque de mon quartier et j'ai tapé le mot « sucre » dans le moteur de recherche du catalogue. Ça m'a renvoyée vers la Great Western Sugar Company. C'est une entreprise qui avait cessé son activité à la fin des années 70. Et elle avait remis certains de ses dossiers aux bibliothèques municipales du Colorado. J'ai remarqué une référence aux archives de l'Université de l'État du Colorado avec un chapitre intitulé « Nutrition et relations publiques », je crois. J'ai décidé d'y aller pour voir ça de plus près. Le premier dossier que j'ai sorti contenait les procès-verbaux du Comité des relations publiques. Et les premiers documents que j'ai ouverts comportaient l'entête bleue de la Sugar Association en haut et la mention « confidentielle » juste en dessous. Je me suis dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de trouver là ?» Je n'arrivais pas à croire que c'était un document secret de l'Association des industriels du secteur sucrier. Page après page, il détaillait la stratégie de communication de l'Association des industriels du secteur sucrier dans les années 70. C'était une période cruciale où la FDA, l'agence américaine chargée de la sécurité des aliments et des médicaments, examinait les données scientifiques concernant les effets du sucre sur la santé. Et donc tout ce que la Sugar Association faisait à l'époque de ces documents avait pour finalité d'obtenir l'autorisation de la FDA. Il y avait une photo où l'on voyait les dirigeants de l'association recevoir le Silver Anvil Award, l'équivalent de l'Oscar pour les professionnels de la communication. Le but était de manipuler l'opinion publique sur l'impact sanitaire de la consommation de sucre. Bref, tout ce que je cherchais se trouvait précisément dans ces dossiers. Je donnais une conférence à Denver. Mon livre « Why We Get Fat » venait de sortir. Et après la conférence, Christine est venue m'expliquer ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Et là, mes yeux se sont illuminés. Voilà comment nous avons commencé à travailler ensemble. Moi à Oakland et Christine dans le Colorado. There is a growing controversy about sugar. On one side, those who claim it's a harmless source of calories and quick energy. On the other, those who say there is evidence to implicate sugar not only in obesity and tooth decay, but also in hyperactivity and diabetes, among other things. À la fin des années 60, début des années 70, il y avait beaucoup de polémiques sur les effets de la consommation de sucre. On est dans une situation analogue aujourd'hui, ce qui est assez incroyable. On retrouve les mêmes débats, les mêmes questions et les mêmes recherches. Tant et si bien que l'industrie agroalimentaire a ressenti le besoin de lancer une vaste campagne de communication pour réorienter l'opinion publique.
Mettez-vous à la place des industriels. Vous êtes à la tête de la Sugar Association. Vous devez évaluer la situation et décider ce qu'il faut faire. Les producteurs de sucre et des entreprises agroalimentaires vous paient pour prendre un certain type de décision. Et ils ont recours à une agence de communication pour élaborer une stratégie commerciale. Le but est de s'assurer qu'il n'y ait jamais de conclusion irréfutable. Ils ont financé des programmes de recherche et fait appel à des conseillers scientifiques pour les inciter à donner leur version des faits. Dès le début, c'était vraiment une démarche internationale. Au départ, il y avait les États-Unis, le Canada, Cuba, Haïti. À la fin des années 60, la Sugar Research Foundation s'est rebaptisée International Sugar Research Foundation. Preuve que l'industrie sucrière était menacée à l'échelle mondiale. Maintenant, il y a la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Afrique du Sud, la France, la Belgique. Tous ces pays se rassemblent dans un seul et même objectif: ne pas dire que le sucre provoque des maladies. Ils doivent garder le flou pour que les responsables politiques ne puissent pas affirmer de manière catégorique que le sucre est néfaste pour la santé. Il faut brouiller le message. Back with us on this weekend's edition of This Week in Agribusiness from the Sugar Association, Andy Briscoe, representing that group in Washington, D.C. How's the climate these days in Washington for your industry? You know, it's always tough. Under the new administration, obviously, the public health community folks have come out of the woodwork and certainly targeting sugar to some extent. For all of the bashing and complaining that there is about sugar, it seems, and all of the dietary recommendations, it still remains a crucial component in our diets, doesn't it? You know, sugar is an important component of a balanced diet and a healthy lifestyle. Everything in moderation, as we say. It's all natural, only 15 calories. Une calorie, c'est une calorie. Si vous en absorbez plus que vous n'en brûlez, vous grossissez. Si vous en absorbez moins, vous maigrissez. Donc, si vous êtes gros, c'est votre faute. C'est le message qu'on nous répète tout le temps. Eh bien, vous savez quoi? Je ne crois pas au lieu commun. Je crois aux faits, et les faits disent bien autre chose. Il faut savoir que certaines calories causent plus de maladies que d'autres, parce qu'elles sont métabolisées différemment. Le sucre provoque-t-il le diabète? Tout le monde dit « Oui, mais c'est à cause de l'excès de calories. Le sucre en soi est inoffensif. » Voilà l'idée généralement admise. Eh bien, ce n'est absolument pas vrai. Le sucre, ce sont des calories toxiques. Des études européennes montrent qu'en consommant un soda par jour, le risque de diabète augmente de 29%, indépendamment des calories, du poids et de tous les autres produits qu'on consomme. Les maladies liées au surpoids et à l'alimentation pèsent lourd sur les services médicaux, et je suis sûr que ce système va s'effondrer. En aucun cas, nous ne pourrons maintenir la qualité de nos soins médicaux avec la charge croissante des pathologies liées au poids et à l'alimentation. Je pense notamment au diabète de type 2, dont le coût est d'ores et déjà ahurissant, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Je ne crois pas que l'humanité soit victime d'une épidémie de perte de volonté. Nous sommes des êtres normalement constitués, mais nous vivons dans un environnement qui nous pousse à consommer des calories et du sucre. On sait que la hausse du taux d'obésité infantile va de pair avec l'accroissement d'autres maladies chroniques. On commence à voir des enfants de moins de 10 ans atteints de diabète de type 2, ou des adolescents souffrant de maladies cardiaques, et une explosion des cas de stéatose hépatique. Les patients qui développent un diabète ou des maladies cardiaques à l'adolescence ont très peu de chances d'arriver à l'âge de 70 ans. So I'm a scientist, and we do a lot of research with adults and kids also. And we do a lot of research with
La première fois que je suis venu dans cette école, je craignais que certaines notions scientifiques ne soient difficiles à comprendre. Mais j'ai été surpris de voir à quel point les enfants apprennent vite. And so I think that when you have a lot of sugar or a lot of fat or a lot of alcohol or whatever, then it will, you know, it'll eventually overload your little system that's inside your body. That's exactly right. When you start to have some overflow in the liver, that you start to make fat. And you do that if you have soda, if you have juice, or if you have a lot of sugar coming down. Sugar is actually... Le sucre est composé de deux molécules, le glucose et le fructose. Elles sont différentes et le corps ne les traite pas de la même manière. Le glucose est une source d'énergie qui peut être métabolisée par tous les organes de notre corps, y compris le cerveau. En revanche, le fructose est métabolisé presque exclusivement par le foie. Ainsi, quand on boit une boisson sucrée, le foie est envahi de fructose. J'appelle ça l'effet tsunami. Le foie est donc submergé et se met à transformer le sucre en graisse. Cette conversion d'excès de sucre en graisse peut augmenter le risque de stéatose hépatique, de diabète et de maladies cardiaques. If you like made a smoothie with just fruits, would that be worse than just eating a fruit? So if you eat an orange, how many oranges do you eat? One. If you do an orange juice, how many oranges do you need to make an orange juice? A lot. Much more. When you chew on food, it just goes slow and it takes a while. The delivery is different. But if you start to make a juice, you'll have that bang, tsunami effect. The relationship between sugar... On connaît depuis longtemps la relation entre le sucre et le foie. If you think about... Rappelez-vous les Égyptiens. Ce sont eux qui ont commencé à gaver les oies. Les Romains ont pris le relais. Et de nos jours, ce sont les Français qui produisent du foie gras. Mais le procédé reste le même. On gave des volailles avec du sucre ou des glucides pour obtenir du foie gras. And that was creating a fatty liver. L'industrie américaine reprend ce principe. Mais au lieu de l'appliquer sur des volailles, elle l'applique sur nous. Toutes ces boissons, ces sodas, constituent un gavage agréable dont on n'a même pas conscience, mais qui n'en produit pas moins les mêmes effets que la fabrication du foie gras. Ces produits sont de formidables instruments parce qu'ils nous procurent du plaisir. On n'a pas l'impression d'être gavé. You know, this was me 5 years ago, and it's still me. But I confess I'm a waistline watcher from way back. Well, that's enough for today. Now for a lively lift. Ice-cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual size bottle has no more calories than half a grapefruit. Mmm, another thing, the cold, crisp taste of Coke is so satisfying, it keeps me from eating something else that might really add those pounds. Dans les années 60, les Américaines deviennent très attentives à leur ligne. Elles se mettent au régime et l'industrie répond à leurs attentes. L'idée des sodas light voit le jour. Les cyclamates, et en particulier la saccharine, inondent le marché. La Sugar Association voit là une menace. Alors elle consacre d'énormes sommes d'argent à des travaux de recherche pour voir si ces produits sont inoffensifs ou pas. Bien sûr, elle veut démontrer qu'ils sont néfastes, et elle y parvient. There's a good deal of sourness, not to say bitterness, in the reaction to the ban on saccharin. There were complaints the Food and Drug Administration banned a useful product on the basis of skimpy evidence.
À la fin des années 60, un article du New York Times révèle qu'un dirigeant de l'industrie sucrière a financé des études destinées à prouver que les cyclamates sont cancérigènes. Il devait avoir une bonne raison pour financer ses recherches, non? En fait, ils ont manipulé l'opinion pendant 40 ans, des années 70 jusqu'à nos jours. Or, à présent, ils sont de nouveau menacés. Mais aujourd'hui, nous avons nettement plus de données. Donc, ils auront bien plus de mal à étouffer les critiques. Je tiens un blog depuis 2005 et j'ai beaucoup d'abonnés sur Twitter. Je suis souvent étonné de la portée et du pouvoir des réseaux sociaux. Avant, on avait besoin d'une vraie plateforme, alors que maintenant, on peut la créer soi-même. Il y a quelques années, j'ai reçu un appel de l'Ordre des médecins de l'Ontario. À ma grande surprise, ils m'ont proposé de faire un discours à un petit déjeuner organisé par l'industrie agroalimentaire, moi qui critiquais ouvertement la publicité mensongère de ce secteur. Donc j'ai préparé un discours, réservé un billet d'avion, annulé un tas de rendez-vous à mon cabinet, trouvé un hôtel, bref, j'étais prêt. Deux jours avant le départ, l'Ordre des médecins m'a appelé pour me dire que l'industrie agroalimentaire ne voulait plus de moi. Mon associé m'a dit, « Puisque c'est annulé, pourquoi ne mets-tu pas ton discours en ligne ?» C'est ce que j'ai fait. Quel aurait été l'intérêt de parler à 50 personnes qui se fichent de ce que j'ai à dire, alors qu'aux dernières nouvelles, ma vidéo a été vue plus de 270 000 fois? Je vais vous parler des pratiques de l'industrie agroalimentaire. Je n'irai pas par quatre chemins. Je pense qu'ils devraient arrêter de dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Ce produit ressemble beaucoup à la réglisse Twizzlers. Il porte la mention « sans sucre ajouté ». Pourtant, il en contient plus qu'un Twizzlers. L'industrie agroalimentaire devrait arrêter de suggérer que le jus de raisin est bon pour la santé. Il est indiqué « sans sucre ajouté ». Pourtant, un seul verre en contient 10 cuillères et demie. Ça revient à boire un quart de verre de sirop d'érable par jour. Ce produit, un succès d'année de petit déjeuner, contient 9 cuillères 3 quarts de sucre par verre. Si votre enfant en consomme une fois par jour pendant un an, il absorbe 14 kilos de sucre. Au final, je pense que la transparence est essentielle. Chacun peut se faire sa propre opinion en regardant ma vidéo. D'ailleurs, même les dirigeants de l'industrie agroalimentaire qui m'ont contacté m'ont avoué qu'il y avait du vrai dans ce que je disais. Ça prouve qu'ils savent ce qu'ils font. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'on a commencé à rassembler des données sur la nocivité du sucre. Le leader du mouvement anti-sucre était un nutritionniste anglais qui s'appelait John Yudkin. En 1972, il avait écrit un livre intitulé « Pur, blanc et mortel » dans lequel il affirmait que le sucre blanc était néfaste. Il livrait beaucoup de données qui montraient que le sucre posait problème et qu'il fallait en réduire la consommation. Dans l'autre camp, il y avait Ansel Keys. Lui prétendait que c'était les graisses alimentaires qui étaient nocives. Il y a donc eu une bataille entre ces deux hommes. Qui a gagné? Et pourquoi? L'un des scientifiques qui inquiétait le plus l'industrie sucrière était John Yudkin. Ils ont cherché le moyen de le réduire au silence. Ils ont décidé de payer des chercheurs pour contredire ses études. Chaque fois qu'ils publieraient un article, ils sortiraient un contre-article. Ils ont donné une importante somme d'argent à Ansel Keys, qui apparaît régulièrement dans mes documents au fil des décennies. Il était le premier opposant de John Yudkin. Quand celui-ci publiait un article pour montrer le lien entre le sucre et les maladies cardiaques, Ansel Keys en publiait un autre pour prouver le contraire. Les chercheurs m'avaient averti que si j'entreprenais des recherches sur le sucre,
On m'accuserait de faire comme Yudkin. On le prenait pour un charlatan et un fanatique. À l'époque, le monde était divisé en deux camps. Le premier, minoritaire, pensait que Yudkin avait raison. Et le deuxième, l'écrasante majorité des chercheurs, adhérait à la thèse de la nocivité des graisses alimentaires. En l'espace de 10 ans, j'ai dû préparer 10 000 œufs pour le petit déjeuner. Et je jetais à chaque fois le jaune. C'était comme ça. On ne mangeait pas d'avocat ni de beurre de cacahuète. Encore moins de bacon et de viande rouge. On y croyait en grande partie. La mode des régimes pauvres en matière grasse a déferlé sur l'Amérique et sur le monde. Or, les aliments transformés sans matière grasse sont insipides. Les industriels le savaient. Ils devaient les rendre agréables au goût. Alors qu'ont-ils fait? Comment donner de la saveur à un produit qui ne contient pas de graisse? En ajoutant du sucre. Vous vous souvenez de Snackwells? 2 grammes de graisse, 13 grammes de glucides, dont 4 de sucre, et c'est agréable au goût. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui. Je suis l'exemple type de la personne qui a suivi tous les régimes préconisés en Occident. On nous dit que tout est dans l'équilibre entre l'absorption et l'élimination des calories. Et si c'est bien de consommer peu de graisse, ce doit être encore mieux de ne pas en consommer du tout. Donc, pendant 15 ou 20 ans, j'ai mangé des produits light, qui sont remplis de glucides, de sucre transformé, ou les deux. Durant toute cette période, je m'entraînais en moyenne 10 heures par semaine pour améliorer mon endurance. Le matin, à jeun, je mesurais mon taux de sucre dans le sang. Juste par curiosité. Et j'ai découvert récemment que mon taux de sucre indiquait un prédiabète. Il ne consommait même pas les pires produits. Il mangeait des flocons d'avoine et des barres chocolatées. Ce qui n'est pas génial, mais ce ne sont pas des cookies ni des crèmes glacées. Malgré tout, il avait un prédiabète. Qu'est-ce que ça doit être pour les gens qui ont une alimentation nord-américaine typique? Il est la preuve vivante que l'activité physique ne change pas vraiment la donne. Tout est dans l'alimentation. Si vous êtes une personne normale et que vous ne faites pas 10 heures de sport par semaine, quel est l'impact sur votre corps, sur votre santé? Sachant que moi déjà, j'ai failli devenir diabétique. Tout le monde pense que le problème est l'obésité. Eh bien, l'obésité touche 30% de la population. Mais on ne sait pas que 40% des personnes qui ont un poids normal présentent les mêmes maladies et les mêmes dysfonctionnements métaboliques que les obèses. Ils développent des maladies cardiaques, des cancers, le diabète de type 2, etc. La liste est longue. Or, leur poids est normal. Qu'est-ce que ça signifie? Que ça ne dépend pas du comportement. On pointe du doigt la gourmandise et la paresse. Mais ces gens ne sont ni gourmands ni paresseux, et leur poids est normal. Si ça ne dépend pas du comportement, il doit y avoir un autre facteur. Et tout le monde y est exposé. Tout le monde est en danger. Voilà un argument totalement différent. Je tiens d'abord à dire que j'ai beaucoup de respect pour le professeur Lustig. Il a le mérite d'avoir lancé le débat. C'est un grand défenseur de la santé. Il a cherché à améliorer le bien-être des gens, il a étudié le surpoids et l'épidémie d'obésité. Simplement, je ne suis pas d'accord avec son analyse selon laquelle le sucre est « toxique », pour reprendre ses mots. Le développement de l'obésité est lié à la surconsommation de calories en général.
Nous en consommons trop. Pour certaines personnes, c'est le sucre. Pour d'autres, les protéines animales. Pour d'autres encore, les féculents raffinés ou bien les produits à base de pommes de terre comme les frites et les chips. Pour la majorité, c'est sûrement la combinaison de tous ces aliments. Je ne crois pas que toutes les calories soient équivalentes. La nocivité du sucre est liée à son apport calorique. Si on en absorbe autant, c'est parce qu'il nous donne du plaisir. Le sucre, c'est bon, c'est délicieux, tout le monde ou la majorité d'entre nous en raffole. De même, le gras peut procurer des sensations très agréables en bouche. Donc, l'association gras plus sucre est un régal absolu. C'est pour ça qu'on en consomme à l'excès. Ça ne fait aucun doute et je ne cherche pas à défendre le sucre. Simplement, je pense qu'un aliment pose problème quand il provoque un excédent de calories. Même si toutes les données suggérant que seul le sucre est toxique se révèlent fausses, nous en consommons trop, c'est évident. Beaucoup d'industriels utilisent le sucre parce que c'est un ingrédient bon marché qui donne du goût aux aliments. Mais aussi et surtout parce qu'il nous amène à en consommer plus. Nous savons tous qu'un palais habitué à de fortes doses de sucre en réclame toujours plus. L'impact est alors d'autant plus important sur la santé. What will your last 10 years look like? The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Au Canada, nous avons la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. C'est un organisme qui finance des travaux de recherche et des programmes de prévention santé. Il est membre de différents conseils d'administration et comités de sélection. Donc, les consommateurs lui font confiance. Il est notamment à l'initiative d'un programme qui s'appelle Visée Santé. Il s'agit de mettre un logo avec une petite coche sur les emballages de certains produits pour indiquer aux gens que ce sont des aliments sains et bons pour eux et qu'ils sont certifiés par les diététiciens de la Fondation. Parmi les produits qui portent le logo, il y a les gommes aux fruits et les rouleaux de fruits qui contiennent plus de sucre que les bonbons. Pourtant, l'organisation fait la promotion de ces friandises en les présentant comme des fruits approuvés par ses diététiciens. Bonjour, je suis le docteur Yoni Friedhoff et aujourd'hui je vais vous parler de ce produit. Les entreprises paient 20 000 $ par an pour avoir ce logo sur l'emballage de leurs produits et faire croire aux parents que ce sont des aliments sains. Je ne pense pas que des produits composés à 80 % de sucre, le reste étant de l'eau, un tout petit peu de vitamines et une bonne dose de marketing, soient bons pour la santé. Ces 17 petites gommes contiennent autant de sucre qu'une barre Twix. Pour obtenir la même quantité de sucre avec des fruits, votre enfant doit consommer ce bol rempli de fraises, soit 500 g de fraises. Il ne faut pas intoxiquer les enfants en faisant passer du sucre pour des fruits. Avec ce type de produit certifié par le programme Visée Santé, nous offrons des alternatives aux parents qui cherchent à intégrer des fruits et légumes dans l'alimentation de leurs enfants. Si vous lyophilisez du jus de fruits, vous obtenez du sucre et rien d'autre. Oui, sur le papier, en théorie, c'est fait à partir de fruits. Le sucre contenu dans le jus provient de fruits, mais c'est juste du sucre. Que l'industrie trompe les gens est une chose. Mais que la Fondation des maladies du cœur en fasse autant, c'est de l'abus de confiance. Quand on a des enfants, on peut penser que la vie serait bien plus simple sans sucre. Personnellement, je me demande s'ils ne seraient pas plus équilibrés dans leur comportement et d'humeur moins changeante s'ils n'en consommaient pas. Là encore, c'est une simple hypothèse. Mais quel que soit l'effet du sucre sur eux, vous savez, c'est juste tellement bon que ça modifie durablement leurs envies. Et c'est contre ça qu'il faut lutter en permanence.
I went on a binge last night, and I ate, it's really strange because I feel guilty now, like I'm confessing to this terrible crime. But I ate a whole bunch of cookies and drank a lot of chocolate milk and ate some ice cream. Just, you know, just kept going. I had heard the rumors. J'avais entendu dire que le sucre occupait une place prépondérante dans notre alimentation et pouvait nous nuire. Il m'a donc paru nécessaire de faire ce film. This year, we can each expect to consume, on the average, over 129 pounds of sugar. 5.5 ounces every day. This huge increase in sugar consumption is the most sudden and drastic change man has made in his eating habits in all his 50 million years of existence. Les gens ne savaient pas. Le diabète et l'obésité commençaient à se répandre. Les chercheurs pointaient du doigt nos habitudes alimentaires, et notamment notre consommation de sucre. On the basis of our studies is that certain risk factors involved with both heart disease and diabetes are increased when sucrose is consumed. 30 years ago, Sheldon Il y a 30 ans, Sheldon Reiser et moi avons entrepris des recherches sur le sucre. Et je suis très étonnée que les gens se rendent compte seulement aujourd'hui que c'est mauvais pour eux. Nous avons réalisé ces études il y a 30 ans, et la quantité de sucre qui était alors consommée entraînait déjà une augmentation de la tension artérielle, du cholestérol et du taux de triglycérides. And all of these would increase this person's susceptibility to the degenerative diseases that we are concerned about, which are essentially heart disease and diabetes. Quand j'ai interviewé Sheldon Reiser, j'ai eu le sentiment qu'il tenait à nous exposer les faits et à nous dire ce qu'il avait trouvé. Je me suis aperçu qu'il était seul dans son combat contre l'industrie sucrière. Quand nous avons démarré nos recherches, nous nous sommes aperçus que les industriels avaient le pouvoir et les moyens financiers de promouvoir leurs idées, bien plus que nous. Il était donc très difficile de contre-attaquer. Les recherches financées par les industriels du secteur sucrier étaient clairement destinées à préserver leur chiffre d'affaires. On ne peut pas obtenir de réponses qui les remettent en cause si on ne pose pas les bonnes questions. Ils voulaient contrôler les questions abordées par les chercheurs. Par exemple, on ne sait toujours pas quelles sont les causes du diabète. Pourquoi ? Ça s'explique en partie par le fait que l'industrie sucrière influençait les instituts américains de recherche médicale et leur disait « il ne faut pas s'inquiéter de la consommation de sucre. Le problème, c'est l'obésité. Alors concentrons toutes nos études là-dessus et oublions le rôle que joue le sucre dans le diabète. » Le débat sur le sucre en est au stade du débat sur le tabac en 1960. Dans les anciennes publicités de cigarettes, on peut voir, par exemple, la plupart des médecins fument des camels. C'est bon pour votre zone T, votre gorge. On retrouve la même stratégie dans les campagnes des cigarettiers que dans celle de l'industrie sucrière. En 1994, quand j'ai eu accès aux archives de l'industrie du tabac, j'ai senti que ce serait très important. En plus de nous révéler leurs tactiques, ces documents nous montrent à quel point ils sont cyniques. Unlike a drug or unlike alcohol, a cigarette smoker, even at 12 o'clock at night driving home in a car, can make a clear and rational decision that they don't want to smoke anymore. Nicotine is an addictive drug. What the smoker does when he smokes, it's self-administered drug drug delivery to reach a target level. Typical rhetoric from a leading anti-smoking activist. Well, I mean, you're going on and on, Stan, in your usual zealous fashion, in delirium. Il m'a fallu du temps pour mettre la main sur ces dossiers. Je me souviens avoir dit, ces types sont vraiment horribles, ce qu'ils font est affreux. En réaction, on m'a tapoté sur la tête et on m'a dit, Stan, c'est bien gentil de penser ça, mais tu es un peu parano.
On ne me prenait pas au sérieux. Mais quand l'information a été divulguée, pour reprendre leurs propres mots, les gens étaient choqués et ne pouvaient plus nier. Et je pense que de la même façon, le travail que Christine effectue actuellement va changer leur regard sur l'industrie sucrière. Two weeks ago, a nutrition expert told Congress the breakfast cereals widely advertised on television and elsewhere were often full of calories and not much else. Can't get enough of that Sugar Crisp, Sugar Crisp. Sugar Crisp! Sugar Crisp is tumbled through sugar and honey and comes up tasting like 101 sweet buns. I can't get enough of that Sugar Crisp, Sugar Crisp. Well, today, the cereal industry responded with its experts. One was Dr. Frederick Stare, chairman of Harvard University's nutrition department. He said that on the contrary, a breakfast including dry cereal was as good as bacon and eggs, or better. Popeye's spinach does not begin to compare with the overall worth of breakfast cereal with milk, any cereal. Entre Fred Stare et l'industrie sucrière, c'est une longue histoire. Ils ont commencé à travailler ensemble dès 1952. Fred Stare était directeur du département de nutrition à l'Institut de santé publique de Harvard. Il n'y avait pas plus crédible que lui. Son département de Harvard reçoit de l'argent de l'industrie sucrière depuis les années 40. Et il s'agit de sommes importantes, des centaines de milliers de dollars. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. À partir des années 70, Fred Stare est devenu le principal porte-parole des industriels à travers leur campagne de communication. Il intervenait à la radio et dans les émissions matinales à la télé pour diffuser leur propagande. In general, agree that there are very serious problems with the American diet. Oh, I disagree with that. The only trouble with the American diet is you eat too damn much. That's all. I mean, if you wouldn't eat so much and have a little less fat, you'd be in much better shape. Il avait une rubrique dans un journal qu'il pouvait utiliser pour faire passer n'importe quel message. Il a écrit des livres à succès. Il était membre du comité de nutrition de l'American Heart Association. Fred Stare a fortement influencé nos connaissances concernant l'alimentation et les effets du sucre sur la santé. Now, as you know, there are reports citing possible links between sugar and heart disease, right. Diabetes, right. Obesity, right. Tooth decay, right. Hypertension. Yes. Now, sugar alone, I know, is not responsible for any of these diseases, but certainly the risks associated with a high consumption of sugar are demonstrably large. I'd have to disagree. The risks associated with a high consumption of calories are demonstrably large, but not with sugar. L'une des premières commandes de l'industrie sucrière pour sa campagne de communication fut un argumentaire destiné à la rédaction d'un document intitulé « Le sucre dans l'alimentation de l'homme ». Ils ont fait appel à Fred Stare, qui a rassemblé un groupe de chercheurs acquis à l'idée que les graisses et le cholestérol sont les principaux problèmes. Or, aucun d'eux n'était spécialisé dans la recherche sur le sucre. Ils en ont fait imprimer 25 000 exemplaires, qu'ils ont distribués un peu partout. Le premier document que j'ai trouvé portait sur la publication de ce livre blanc. Il était destiné aux porte-paroles des différentes campagnes de communication de l'industrie sucrière et les préparait aux questions que les journalistes pourraient leur poser. Ce livre avait été financé par une subvention sans restriction. En consultant les dossiers de l'industrie du tabac, et parce que Fred Stare avait aussi des liens avec cette filière, on sait ce qu'une telle subvention signifiait pour son département de Harvard. C'est censé être un don d'argent non affecté à un projet spécifique. Mais Fred Stare a dit à l'industrie du tabac, « Nous dirons que c'est une subvention sans restriction. Vous nous donnez les fonds et nous vous fournissons les études que vous souhaitez. » Let me play devil's advocate. Sure, and play anything you want. You've been accused any number of times yeah. of being an apologist for the sugar industry. Right, I know. One of the things that those who oppose your viewpoints yeah. point to, they say, well, you wanted money for the school, and therefore you became a spokesman for the sugar industry. No, I became a spokesman for what I consider to be the motto of Harvard University, which is Veritas, which for those of
The camera crew, who may not have had Latin, means truth. Si autant de programmes de recherche sont financés par l'industrie, c'est entre autres parce que le gouvernement a fortement réduit son budget dans ce domaine. Les gens ont tendance à croire que les scientifiques ne sont pas impartiaux, mais ils veulent avant tout faire de la recherche. Et s'ils n'obtiennent pas de l'État l'argent dont ils ont besoin pour mener à bien leurs travaux en laboratoire ou à l'hôpital, ils vont le chercher ailleurs. Il y a une différence fondamentale entre le tabac et la nourriture. C'est qu'on n'a pas besoin de tabac. Mon but est de détruire l'industrie du tabac. Par contre, on a besoin de manger. Je ne cherche donc pas à détruire l'industrie agroalimentaire. S'il y a autant de produits alimentaires toxiques sur le marché, c'est parce qu'ils sont les plus rentables. Les grands groupes veulent réaliser des bénéfices. C'est leur seul objectif. C'est vrai que les acteurs de la filière agroalimentaire doivent participer à la résolution du problème, parce que nous voulons qu'ils continuent à produire de la nourriture. Mais dire que nous pourrons négocier avec eux et trouver une solution ensemble revient à penser qu'ils accepteront de gagner moins d'argent. Et ça, c'est hors de question pour eux. C'est un peu comme avec les industriels du tabac dans les années 70. À l'époque, l'Institut américain du cancer avait tenté de collaborer avec eux pour créer des cigarettes moins nocives. Les bonnes âmes pensaient coopérer avec l'industrie du tabac. Mais quand on consulte les archives des entreprises, on peut lire « Regardez la poudre qu'on leur jette aux yeux, nous collectons des informations sur ce qu'ils font. » Bref, ça a été un désastre. Pourtant, aujourd'hui, certains grands chercheurs et directeurs de fondations pensent toujours qu'il est possible de travailler avec les industriels, de s'associer avec eux. Mais ça ne marchera jamais. Bienvenue à tous. Avec près de 9000 membres, nous sommes la plus grande association de spécialistes de l'obésité au monde, ou du moins la plus grande association nationale parmi tous les pays que je connais. Les gens travaillent sur différents aspects de l'obésité. Je pense que ça rassemble toute la communauté et que tôt ou tard, ça portera ses fruits. Personne ne va lever le doigt et clamer « j'ai la réponse ». Comme je le dis souvent, ceux qui pensent détenir la réponse n'ont même pas compris la question. Trois sommets ont été organisés par le Réseau canadien contre l'obésité, chacun d'eux en partie sponsorisé par les industriels. Mais celui-ci est le premier exclusivement parrainé par une chaîne de fast-food et un fabricant de boissons sucrées. Le Réseau canadien contre l'obésité a été créé par le ministère de l'Industrie et sa mission est d'impliquer les industriels dans ces projets. Mais ça a été très difficile parce que l'obésité a longtemps été tabou. Maintenant, ils sont là et nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. On sait bien que si les entreprises participent, c'est pour vendre plus de produits. Je suis tout à fait conscient de leur motivation. Il n'y a pas de conflit. C'est pour ça qu'elles sont là. C'est un peu étroit ici. J'ai failli tomber. Bonjour à tous. Je suis censé révéler la contribution financière de McDonald's à cette conférence. Elle est de l'ordre de 10 000 dollars, je crois. Ce matin, beaucoup de gens m'ont dit « Pourquoi êtes-vous là? C'est très courageux de votre part. » Je ne pense pas que ce soit très courageux. On fait ça très souvent.
Le réseau canadien contre l'obésité est devenu la référence en matière d'obésité au Canada. Il contribue à élaborer les politiques publiques et à façonner l'opinion par ses interactions avec les médias. Il ne peut donc pas se contenter de dire « on a été créé par et pour l'industrie ». Sa mission va beaucoup plus loin. Bien souvent, les entreprises agroalimentaires adoptent la stratégie suivante. Elles lancent un produit à grand renfort de publicité, puis elles nous disent qu'il faut faire du sport et manger avec modération. C'est aussi simple que ça. Il existe aussi des produits comme le McFlurry Snack Size. Je n'avais pas prévu d'en parler, je l'ai décidé au dernier moment. Ce dessert a autant de calories qu'une barre Snickers dissoute dans une canette de 350 ml de Coca-Cola. Il contient environ 15 cuillères à café de sucre. Pourtant, il est présenté comme un snack. Eh bien, quel snack ? Pour moi, on ne peut pas résoudre le problème simplement en les montrant du doigt et en disant que c'est leur faute. Si on laisse Yoni parler pendant une demi-heure pour expliquer aux gens sa vision des choses et les solutions qu'il envisage, sans donner la parole au camp adverse, c'est une pure perte de temps. Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous vendons des hamburgers, des frites, des salades et des glaces allégées. Mais nous avons beaucoup à apprendre. Et nous sommes heureux de pouvoir le faire dans ce genre d'occasion. Si le réseau canadien contre l'obésité dépend de l'argent que lui verse l'industrie agroalimentaire, il sera bien moins enclin à divulguer des informations ou à élaborer des politiques allant à l'encontre des entreprises qui le financent. On en a un bel exemple avec l'Association canadienne des boissons et Coca-Cola. Voilà un secteur qui est mûr pour le changement. Les projets de taxation et de réglementation sont sur la table. Et je serais choqué qu'une quelconque initiative soit chaperonnée par le réseau canadien contre l'obésité, vu qu'il est de mèche avec l'Association canadienne des boissons et Coca-Cola. En ce qui concerne le colloque de l'après-midi organisé par Coca-Cola, c'est eux qui ont décidé qui ils invitent, quel sera le programme, qui seront leurs porte-parole et ce qu'ils diront. Le réseau canadien contre l'obésité ne s'en mêle pas et n'apporte pas son soutien parce qu'il n'a pas à défendre telle ou telle position. Il est là pour fournir une plateforme. Mais au final, tout est entre les mains du sponsor. Chaque fois qu'un secteur industriel a proposé de s'autoréguler, ça a été la catastrophe. Qu'il s'agisse des ceintures de sécurité, du tabac ou de la pollution, les entreprises ne trouvent aucun intérêt à être réglementées. J'ai même suivi des cours de droit pour mieux comprendre la stratégie de l'industrie du tabac. Ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Tous ces éléments sont utiles pour notre combat actuel. Aux États-Unis, 26% des diabètes sont dus au sucre, et au sucre seulement. Est-ce communément admis par la communauté scientifique ? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui est communément admis par la communauté scientifique ? C'est tout récent. L'information est sortie fin février et a été approuvée par beaucoup de scientifiques. Mais beaucoup de gens qui travaillent pour l'autre camp ne sont pas d'accord. Même moi, je dis qu'il faut aller plus loin dans la recherche. Reste à savoir jusqu'où on doit aller avant de passer à l'acte. Les acteurs de la filière agroalimentaire demanderont toujours à poursuivre les études. C'est un moyen pour eux de donner le change, ils n'en auront jamais assez. Ils diront toujours qu'il faut aller plus loin dans la recherche. Résultat, on ne fera jamais rien. Mais alors, quand aura-t-on assez d'éléments pour agir? Quand la politique l'emportera-t-elle sur l'industrie? Il y a une question qu'on doit vraiment se poser. Pourquoi, en 2013, en est-on toujours à se demander s'il y a un lien entre la consommation de sucre et le diabète? Ça me rappelle beaucoup le débat sur le tabac. Au Congrès, les dirigeants de la filière répétaient les uns après les autres que le tabac ne crée pas d'accoutumance. Je crois que la nicotine n'est pas addictive.
I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la preuve irréfutable que le tabac est responsable du cancer du poumon. Pour cela, il faudrait effectuer un test aléatoire. Mais ce serait contraire à l'éthique de demander à un groupe de personnes innocentes de fumer pendant 20 ans pour voir si elles attrapent le cancer du poumon ou pas. Dites-moi comment on peut mener une telle expérience. Or, c'est exactement ce qu'ils nous demandent de faire pour le sucre, à savoir constituer deux échantillons de jeunes adultes. Le premier groupe consommerait trop de sucre et le deuxième n'en consommerait pas. On regarderait tout ce qu'ils mangent pendant 50 ans et on verrait s'ils développent des maladies cardiaques et un diabète. On ne peut pas faire ça. Il faut bien voir où on se positionne dans le débat. Le problème n'est pas la collecte des données scientifiques, car ça va se faire de toute façon. Mais la crédibilité des personnes qui attaquent les chercheurs. La question est de savoir s'il y a manipulation. In Washington today, a coalition of health and consumer groups asked the Food and Drug Administration to put a limit on the amount of sugar allowed in breakfast cereals. Their petition to the FDA also asked that a health warning, similar to the one on cigarettes, be required on cereals which exceed the sugar limit. Au début des années 70, de nombreuses initiatives furent prises pour encadrer la consommation de sucre, ce qui a fait peur aux industriels. La FDA examinait l'impact du sucre sur la santé et la Sugar Association faisait pression sur cette agence pour qu'elle le déclare sans danger. La FDA effectue des recherches sur le sucre. Imaginez le tollé si elle conclut qu'il ne doit pas être considéré comme un aliment sans danger, qu'il est potentiellement toxique. C'est s'attaquer à de puissants groupes. Pour en revenir au livre blanc, l'industrie sucrière l'a présenté comme une preuve au comité de contrôle de la FDA. Le président du Conseil consultatif scientifique de l'industrie sucrière, George Irving, a été nommé président du comité de contrôle de la FDA qui étudiait les effets du sucre. Quel conflit d'intérêts! Et qui sont-ils allés chercher? Ils auraient pu s'adresser à John Yudkin. C'était la voix de la raison. Ou alors, ils auraient pu s'adresser à Sheldon Riser. Ils auraient pu le faire. Mais non, ils ont fait appel à l'industrie sucrière. La FDA s'est rangée à l'avis des personnes qui n'étudiaient malheureusement pas les vraies questions. L'industrie sucrière fanfaronne. La FDA dit que tout va bien. Nous, on s'attendait à un procès, dans un tribunal de Manhattan, avec leurs avocats très chers, pour arracher leur acquittement. Il n'a même pas eu lieu. Malgré toutes les pièces à charge contre eux, ils ont été blanchis. Ils n'en demandaient pas tant. Quand le rapport a été publié, nous nous sommes dit qu'ils n'avaient pas tenu compte de nos recherches, qu'ils se trompaient et que nous avions raison. Sheldon Riser était très déçu que nous ayons été déboutés. S'il avait été simplement question d'une substance chimique présente dans une dizaine de produits et facilement remplaçable par une autre, la FDA aurait fait son travail. Mais là, on parle quand même du sucre. C'est notre façon d'exprimer notre amour.
Citez-moi une fête où on ne consomme pas de sucre. La Saint-Valentin, la fête des mères, un anniversaire ou un barbecue, on boit de la limonade et on mange des gâteaux. C'est comme ça. Ça fait partie de notre culture. J'estime que c'est une injustice. Pendant 40 ans, voire plus, l'industrie du sucre nous a trompés. L'ampleur des dégâts qu'elle a causés est difficile à évaluer. La loi Metabo est en vigueur ici, au Japon. Les villes et villages proposent des bilans de santé. Les entreprises le font aussi, en envoyant des unités mobiles sur les lieux de travail. En général, les Asiatiques sont plus sujets aux maladies liées à l'obésité, telles que le diabète. Alors, ils s'efforcent de trouver des solutions. Les gens vont faire leur bilan de santé, on mesure leur tour de taille, on vérifie leur circulation sanguine, et on leur remet un dossier complet pour qu'ils sachent où ils en sont et ce qu'ils doivent faire. Si vous dépassez un certain seuil, que votre tour de taille est trop élevé, par exemple, on vous le signale. Si vous avez trop de résultats dans le rouge, l'infirmière vous appelle pour vous inviter à consulter. Ça peut être gênant quand vous devez enlever votre t-shirt, que l'infirmière place le mètre autour de votre taille et qu'elle dit vous avez pris un peu de poids par rapport à l'an dernier. L'État japonais est protecteur. D'une certaine façon, il materne ses citoyens. Mais c'est vrai que parfois, il faut pousser les gens. Ce genre de campagne a porté ses fruits au Japon. Par exemple, les accidents vasculaires cérébraux étaient très répandus dans les années 60. Le gouvernement a pris des mesures fortes, si bien que la consommation de sel a diminué et que la mortalité due aux AVC a chuté d'environ 80%. C'est énorme. Voilà des initiatives dont nous pourrions nous inspirer en Amérique du Nord. Where does that leave us? On en arrive à la question de la liberté. Les libertariens protestent. Attendez, ne me dites pas ce que je dois manger. Eh bien, vous savez, on vous dit déjà ce que vous devez manger. Où étiez-vous ces 40 dernières années quand on a changé votre nourriture sous votre nez? Vous êtes-vous rebellé? Les libertariens disent que le gouvernement sorte de ma cuisine. Moi non plus, je ne veux pas de lui dans ma cuisine. Sauf si quelqu'un d'encore plus dangereux s'y trouve déjà.
Je me nourrissais toujours mal quand j'ai commencé à faire du sport. Donc il n'y avait pas vraiment de résultats. Et je n'étais pas assez informée sur les aliments transformés et les efforts qu'il faut fournir pour éliminer une barre chocolatée, par exemple. Une petite barre chocolatée annule les effets d'une course de 8 km. C'est comme si on n'avait pas couru du tout. Je l'ignorais et quand je l'ai su, j'ai modifié complètement mon alimentation. J'ai complètement renoncé au fast-food et aux préparations surgelées. Je me suis mise à manger bien plus de légumes et d'aliments frais. J'ai remplacé mon jus de fruits par un fruit. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça me rassasie autrement. Je fais le plein d'énergie. Au total, j'ai perdu plus de 20 kilos. Mon bilan est excellent. Mon foie fonctionne très bien. Je me sens nettement plus énergique et en forme. C'est génial. Quand les enfants arrêtent de manger des produits transformés, leur dysfonctionnement métabolique disparaît. Ils perdent du poids, ils se sentent mieux. Ils ont de meilleurs résultats à l'école. Leur vie change. Une certaine quantité de sucre est nécessaire. Mais il ne faut pas en consommer plus que nécessaire. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré récemment que les sucres ajoutés constituent un grave problème. Nous devons en limiter la consommation et changer nos habitudes. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC a été formidable. La veille du jour où ils devaient annoncer la nouvelle, ils sont venus à mon bureau pour m'en informer en personne. Ils m'ont dit qu'ils en avaient longuement discuté et avaient décrété que ça ne pouvait plus continuer comme ça. La meilleure chose à faire pour la Fondation, et plus encore pour les Canadiens eux-mêmes, était de dire « on arrête ce programme ». Les nouvelles directives de la Fondation en matière de consommation de sucre sont très strictes. Elles rejoignent celles de l'Organisation mondiale de la santé, de l'American Heart Association et de scientifiques. L'OMS aura-t-elle un impact en Europe et en Asie? Possible. C'est difficile à dire pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et ils l'ont compris. Le lobby du sucre est très puissant. Et pour autant que je sache, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, est directement impliquée dans la catastrophe qui frappe actuellement l'Europe. En 2013, ils ont eu l'audace, le culot, d'approuver le fructose comme édulcorant de table, parce qu'il a, je cite, un faible indice glycémique. Bien sûr que le fructose a un faible indice glycémique. C'est du fructose. Il augmente non pas le taux de glucose, mais le taux de fructose dans le sang, ce qui est 7 fois pire. Le problème du fructose n'a rien à voir avec l'indice glycémique. À mon avis, il faut réformer l'EFSA. Et rapidement. Voici un rapport d'une banque internationale d'investissement, le Crédit Suisse, sur le sucre. Je cite, « Nous estimons qu'une taxation plus forte des aliments et des boissons sucrées serait la meilleure solution pour en réduire la consommation et financer les coûts liés au diabète et à l'obésité. Ils demandent d'augmenter les taxes. Ça montre l'ampleur et la gravité du problème. » Il faut un nouveau modèle économique pour récompenser les entreprises agroalimentaires qui prennent les bonnes décisions, pas les mauvaises. Pourraient-elles gagner de l'argent en vendant des produits sains? Bien sûr. Pourrions-nous subventionner ces produits sains pour les rendre meilleur marché et permettre aux gens de les acheter? Bien sûr que oui. Mais ça suppose de changer complètement nos habitudes.
L'industrie agroalimentaire peut continuer de gagner de l'argent, il n'y a aucun mal à ça. Je ne suis pas contre les gens qui gagnent de l'argent. Je suis contre ceux qui en gagnent en empoisonnant les autres. C'est ce que l'industrie du tabac a fait, et c'est ce que l'industrie agroalimentaire fait aujourd'hui. Je vais avoir l'occasion de collaborer étroitement avec Stan Glantz. C'est un grand homme. Il s'était attaqué à l'industrie du tabac. Le but est de démontrer que l'industrie sucrière et l'industrie du tabac utilisent les mêmes stratégies. Je pense que son objectif est de changer les choses et que ça va faire évoluer le débat. Simplement, il faut savoir que si nous sommes efficaces, ils vont contre-attaquer. Nous devons nous y préparer et ne pas paniquer. Le travail que je fais, je dois le faire. Nous devons vraiment comprendre les pratiques des industriels, sans quoi l'histoire se répétera et le débat se poursuivra indéfiniment. Nous devons réaliser une étude concluante et devons trouver ce qu'il faut faire pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Sammy a eu l'idée de cette expédition. C'est la chose la plus folle qu'on ait jamais faite. Nous allons partir de Californie et gagner Hawaï dans un bateau à rame, sans aucune assistance. C'est un trajet de 3800 km, voire plus. Nous allons embarquer toute notre nourriture et manger à bord comme on mange à terre. On n'a pas besoin de sucre, ni de glucides transformés, ni de produits d'endurance comme ils en font la pub, pour pouvoir faire beaucoup de sport. Nous voulons très clairement sensibiliser les gens au danger du sucre et les aider à adopter un régime alimentaire sain. Good luck, bonne chance, buena suerte, don't break a leg. Sammy et Meredith ont les mêmes convictions que nous. Et ils se démènent pour prouver qu'ils ont raison. L'ennemi vous ignore, puis se moque de vous, puis vous combat. Et à la fin, vous gagnez. Actuellement, on est en plein dans la bataille. Si je ne vois plus jamais d'enfants obèses, ça en aura valu la peine.